frères et mes sœurs, nous allons contempler ensemble deux petites merveilles nichées en pleine nature sur les hauteurs de la capitale Fort-de-France, les cascades de Didji. Belle bonjour, Marie. Le départ du sentier se trouve au niveau de la station du traitement des eaux, tout en haut ou presque de la route départementale 45, c'est la route de Didji. Alors pourquoi je dis presque? Parce que cette route termine en cul-de-sac exactement au niveau de l'entrée de l'usine d'embouteillage des eaux de Didji. Et juste à côté, il y a un départ de sentier. C'est pas celui-là qu'il faut prendre, parce que celui-là, c'est celui qui fait Didji Absalon. Donc celui qu'on va prendre, il se trouve 100 mètres avant le cul-de-sac, justement, au niveau de la station d'épuration. Le parcours commence par une petite descente, voilà, environ 50 mètres, qui va nous emmener sur le pont qui surplombe la rivière du Mosé. Et ensuite, on va remonter, là encore, c'est assez court, jusqu'au tunnel. Le tunnel qui constitue le passage le plus délicat du parcours. Alors, délicat, pourquoi? Parce que ben, il va s'agir de traverser le tunnel sur les canalisations. C'est un tunnel qui est sombre et humide. Humide parce qu'il y a des fuites au niveau du plafond. Donc ça glisse. Heureusement, il y a une rambarde métallique qui nous permet de se tenir. Sauf qu'elle a disparu sur une partie du parcours. Donc voilà, il faut faire attention. D'autant plus que le tunnel est un repère de chauves-souris et de rats volants. Bon, pas de quoi avoir peur, hein. C'est comme les êtres humains, c'est pas parce qu'elles sont laides qu'elles sont méchantes. Laissez-les faire leur vie et puis tout ira bien. Donc ce tunnel va nous permettre de traverser la montagne et ça va nous déboucher sur une autre vallée, celle de la rivière Duclos, qui justement c'est sur celle-ci que se trouvent les fameuses cascades de Didji et le captage d'eau qui se trouve juste en face de nous. Donc à la sortie du tunnel, il faudra prendre tout de suite à droite. C'est un court passage étroit sur le long de la paroi rocheuse. Ensuite, un petit quart d'heure de marche, on va arriver au niveau du barrage de la rivière du Clos où est captée l'eau. Et ensuite, on va arriver au niveau de la première cascade. Un petit coin magnifique dans un écrin de nature avec un bassin très confortable pour la baignade. Donc il s'agit quand même de l'une des...
Donc la deuxième cascade un petit peu moins fréquentée que la première, puisque bon, ça demande quand même 30 minutes de crapahutage sportif supplémentaire. Et qui plus est, une randonnée aquatique, puisqu'on va remonter le lit de la rivière du Clos. Donc pour pouvoir poursuivre le parcours, il faudra passer sur votre gauche afin de contourner la première cascade par la pente qui est assez raide et boueux. Mais il y a des cordes pour céder, donc pas de panique. Une deuxième cascade qui se situe dans un cadre idyllique. Franchement, on est en plein milieu de la nature luxuriante de Mada. Une cascade qui fait entre 25 et 30 mètres de haut avec un débit très intéressant. Pour résumer, donc un peu moins de 3 km l'aller-retour pour ceux qui veulent aller jusqu'à la deuxième cascade. Un dénivelé sur la longueur du parcours qui fait 150 mètres, donc autant vous dire que vous n'allez pas le sentir, hein. C'est quasi plat. Et bon, ça va vous faire 1h45 de marche l'aller-retour. Voilà, sans compter le temps de baignade. N'hésitez pas au fur et à mesure de votre avancée d'admirer la nature, que ce soit tantôt sur votre gauche, tantôt sur votre droite. Voilà mes chéris, une petite randonnée très sympathique pour découvrir les deux cascades qui font partie des cascades incontournables de Martinique. Profitez de ce paradis qui nous est offert, profitez de la vie, prenez soin de vous et de votre famille. On se retrouve.